Match qui paraît très déséquilibré sur le papier entre l'AC Ajaccio 19e et relégable et le FC Metz 3e. Des Lorrains toujours sur le podium malgré une série difficile, 5 matchs sans victoire, 4 nuls et une défaite pour les Grenats. Cette défaite qui est d'ailleurs la seule de la saison. L'AC Ajaccio de son côté reste sur 2 matchs sans avoir marqué le moindre but. Il faut retrouver le chemin des filets à domicile. Des Corses privés de Scrib et de Sainetti, toujours suspendus à Bergel et blessés. La première opportunité est bien en faveur de l'AC Ajaccio. La deuxième est Messine. Mais toujours pas de but dans ce match. La liste d'absents est très importante pour les Lorrains. Didillon, Milan, Rice, Doucouré, Manjek, Saki, Kaprov et Mayuka sont tous à l'infirmerie. Et pourtant Metz a une équipe intéressante à suivre. Il y a eu quelques situations intéressantes, mais à la mi-temps, 0-0 entre les deux formations. Des Messins qui pourraient peut-être se contenter au moins du point du nul, eux qui sont invaincus à l'extérieur. 3 victoires et 2 nuls depuis le début de la saison, loin du stade Saint-Symphorien. Un résultat qui ne convient pas du tout à l'équipe d'Olivier Pantaloni, qui elle a grand besoin de points. En seconde période, l'AC Ajaccio insiste. Et le FC Metz a tendance à reculer. Un long ballon dans la surface, mais le contrôle n'est pas bon. Ce qui facilite grandement la tâche de David Oberhauser, le gardien de but messin. Encore une possibilité dans cette surface, avec une série de dribbles. Et cette frappe qui n'est pas cadrée, une des meilleures occasions corse de la partie. Toujours pas de réussite, une tentative messine avec cette frappe, c'est sauvé par Rifi Mandanda, le gardien de but de l'AC Ajaccio. Des Corses qui croient toujours à 20 minutes mais qui commettent une énorme erreur. La sanction intervient immédiatement, Juan Falcón s'empare du ballon et marque ce but important, 71e minute. C'est son premier but de la saison. Metz qui a fait le plus dur en ouvrant le score. Et qui va tenir le résultat jusqu'au bout. Victoire de Metz, 1-0 sur le terrain de l'AC Ajaccio. Come on.